très content de te retrouver pour cette troisième partie. Si tu te souviens bien, dans les épisodes précédents, avec Evelyne, nous avions retrouvé Eric et Didier aux portes du Vercors, où nous avions passé une journée extraordinaire. Le lendemain commençait le Alp Aventure Moto Festival à Barcelonnette et nous avions pu participer à une journée de roulage avec Julien Tonuiti, quintuple champion de France des rallyes. Les copains sont déjà là, bien sûr. Ah oui, forcément. Ne déconcentre surtout pas, Eric. Concentration maximum. Tiens, allume ton GPS et mets-le à côté. Il y a quelque chose qui va pas. Non. Et là, tu vois, j'aurais bien été mettre mon grain de sel, histoire de les chambrer un peu. Mais visiblement, ce n'était pas le moment. Alors attends, mets-le en mode découvrable Bluetooth. Bon, il est trop concentré, c'est pas la peine. Bon, voilà. Bon, mais je crois quand même que la journée va être sympa. Hein? Nervous look on your face when you're starting to think that you're talking too much. I like how we just met and I'm not even slightly afraid to be okay. Et je confirme, oui, la journée va être très sympa, que ce soit pour les paysages sublimés par cette météo exceptionnelle, mais aussi par les rencontres que nous allons faire. Nous nous dirigeons vers le pont du Châtelet, dans la commune de Saint-Paul-sur-Ubaye. Une curiosité à moins de 30 km de Barcelonnette. Trying hard not to jump, not to move too fast. But we could go in. À Saint-Paul-sur-Ubaye, nous avons quitté la route du col de Vars, la D902, pour traverser le village par la D25, que nous allons suivre pendant quelques kilomètres, avant de tourner à droite pour emprunter une route très étroite et bien pentue qui va vite nous faire prendre un peu de hauteur. Initialement prévu être construit en bois, les autorités de l'époque se sont finalement orientées pour de la pierre, pour son aspect durable. Ce pont en arc, long de 27 mètres, surplombe l'Ubaye à 108 mètres de hauteur et a été construit en 1882. Deux ans plus tard, le percement d'un tunnel de 28 mètres de long a enfin permis au petit hameau de Fouillouz d'être accessible par la route. Et j'ai donc sorti le drone avant de me faire chambrer par les copains et de me faire traiter par ma douce de lâche, de pleutre, de dégonflé. Dans cet environnement plein d'obstacles, je n'en menais pas large, surtout avec les manœuvres qu'ils m'ont fait faire, du genre passer sous le pont à toute allure. Du reste, en t'en parlant aujourd'hui, j'en suis encore tout ému. Après un bon petit moment passé sur place, nous reprenons le chemin inverse pour aller visiter cette fois-ci le musée moto de Saint-Paul-sur-Ubaye. Depuis 2017, un passionné, Laurent Gonnard, a monté une association motarde et a créé ce petit musée dans une vieille grange où 70 machines, pour la plupart en état de marche, côtoient différents objets ayant pour thème la moto bien sûr. L'entrée est gratuite, mais il y a la possibilité de laisser une petite contribution, ce que nous ne manquerons pas de faire afin d'aider Laurent à faire vivre son musée pour notre plus grand plaisir. Ouvert tous les jours en journée de juin à septembre, n'hésitez pas à y aller faire un petit tour et discuter avec Laurent, qui pourra vous informer sur l'histoire de chacune de ces machines. En sortant, on part à pied prendre un petit café et installé au soleil à admirer le paysage, un groupe de motards arrive. Celui qui est en tête s'arrête. C'est Christian Guil, abonné à la chaîne.
gros rouleur. Et nous voilà partis à discuter au trip. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here. Nous sommes de nouveau sur la D902, en direction de Guillestre, par le col de Vars, qui est tout près. Avec ses 2800 mètres d'altitude, ce n'est pas le plus impressionnant, mais il offre quand même de très jolis paysages. La chaussée est en très bon état, et c'est un plaisir d'enchaîner les courbes les unes derrière les autres. In the great outdoors, forever free. La belle terrasse ombragée de l'auberge me fait de l'œil. Je m'arrête en face et tout le monde est OK pour y déjeuner. Bon, je sais ce que tu penses. On passe plus de temps à s'arrêter qu'à rouler. Mais c'est pas faux. Ça vous va là? C'est bon là? C'est bon? Très bien. Si vous êtes un peu difficile quand même. Il faut que je te raconte quand même. Le papy qui assurait le service nous a accueillis de façon, je dirais, rugueuse, si tu vois ce que je veux dire. Mais en fait, on a vite compris que c'était sa femme derrière les fourneaux qui lui mettait une pression pas possible, créant même des fous rires chez les clients en entendant le papy ronchonner après sa femme. Feu de circulation alterné nous arrête à une centaine de mètres d'un autre endroit hyper sympa pour s'arrêter déjeuner, le refuge Napoléon, avec en face son petit lac où des chaises longues sont aussi installées pour passer un moment paisible, bercé par le son des motos qui passent. Comme tu peux le voir, nous croisons beaucoup de motards. Certains ont fait comme nous et sont restés après le festival de Barcelonnette, histoire de profiter de cette magnifique région. Mais c'est aussi parce que le col de Vars fait partie de la RGA, la mythique route des Grandes Alpes. Avant d'aller rejoindre les berges du lac de Serponçon, nous traversons le bourg médiéval de Guillestre, en délaissant sa petite rocade, que j'avoue emprunter plus régulièrement que son centre-bourg. C'est que nous avons largement le temps, puisque notre boucle, aujourd'hui, ne fait qu'une centaine de kilomètres. Et oui, encore une pause. Cette fois-ci, au relais Fleury, à Savines-le-Lac. Outre les coupes glacées qu'affectionnent mes camarades, cet établissement offre, de sa terrasse, une très belle vue sur le lac de Serponçon. Une fois nos papilles satisfaites, nous repartons par la D954, qui longe le lac par son côté est et qui offre non seulement des vues magnifiques sur le lac, mais aussi un plaisir de pilotage incontestable. En fond, tu vas pouvoir observer les demoiselles coiffées, une formation rocheuse atypique, communément appelée aussi cheminée de fées. Et si je te disais que malgré le faible kilométrage de cette petite boucle, le temps est passé très vite et on a pris beaucoup de plaisir à prendre notre temps. Il faut quand même néanmoins penser à rentrer à Barcelonnette, histoire de préparer nos affaires et rendre nickel nos deux petits appartements. Car demain, nous changeons de coin, direction les Gorges du Verdon, par un bel itinéraire que nous a concocté Eric. Le mardi 12, il fait 16 degrés.
nous commençons par un des monuments de la route des Grandes Alpes, le col de la Cayolle, par son côté nord, qui avec ses 2326 mètres d'altitude est le préféré d'Éric. Et on peut le comprendre, car dès les premiers kilomètres, c'est un pur plaisir de suivre cette étroite route qui serpente et qui longe le Bachelar, affluent de l'Ubaye. Savais-tu que de ce côté, c'est la plus longue ascension des Alpes, avec presque 30 km, qui ne représente pas de difficulté majeure, si ce n'est parfois l'étroitesse de sa chaussée. Sortie des gorges du Bachelar, la route serpente et s'élève progressivement. On passe le dernier lieu habité, le paysage a changé et ce sont prés verdoyants, forêts, ponts, cascades et c'est à l'une d'elles, lors d'une pause photo, que je profite pour changer la carte mémoire d'une GoPro quasiment pleine. Avec de tels paysages, j'aurais dû anticiper, mais j'ai oublié de le faire avant le départ ce matin. Une nouvelle petite série de lacets, on dépasse les 2000 mètres pour arriver dans un nouveau décor, cette fois-ci plus minéral. Nous laissons sur notre droite le refuge de la Cayolle pour arriver au sommet du col où il y a déjà pas mal de monde. Pendant notre petite halte, on a droit à un festival de marmottes. Absolument pas impressionné par tous ces motards, ni par mon drone. On rencontre aussi Yves, de Belgique, fidèle abonné à la chaîne, que je salue au passage. C'est parti mon kiki! Et nous voilà maintenant sur le versant sud, en direction du charmant petit village de Guillaume. Nous avons quitté les Alpes de Haute-Provence pour les Alpes-Maritimes, et la D902 est devenue la D2202. Et tu vas voir que côté paysage, ce versant sud n'a rien à envier au côté nord. Alpes, beaucoup préfèrent l'alternative de passer par le col de la Bonnette.
La notoriété tout à fait justifiée de ce magnifique col ne doit pas pour autant te faire ignorer le col de la Cayolle. Une petite journée supplémentaire lors de ton road trip te permettra de profiter de ces deux pépites. Quelques kilomètres après Saint-Martin-d'Entrône, on commence à apercevoir en contrebas, sur notre droite, le Var. Le petit hameau de Guillaume n'est plus très loin. J'adore ce petit village. Il y règne un je ne sais quoi qui t'invite à te poser un peu à une belle et accueillante terrasse de ses nombreux bars-restos. Il me fait penser à un autre endroit que nous affectionnons particulièrement avec Evelyne, Méruès, dans le sud de la Lozère, qui est régulièrement notre première étape lors de nos road trips. Et voilà, on se trouve une petite place pour stationner les motos et c'est pause café pour tout le monde avec Yves et son pote qui nous ont doublé tout à l'heure dans la descente. Et c'est aussi la fin de cette partie. Je te donne rendez-vous dans une quinzaine de jours pour la suite de ce road trip. Si ce n'est déjà fait, abonne-toi et active la petite cloche de notification pour être sûr de ne pas la rater.